Pierre, salut les petits gars, on se retrouve sur la suite de Black Mirror. Avec la dernière fois, on avait parlé un petit peu avec la mémé, et on a appris finalement que notre père était le petit garçon qui s'est fait pousser par papy dans les escaliers. Ouais, papy, il était très dangereux comme des gars, et très agressif. Ainsi que le père, il était pas très très bien dans la tête parce qu'il a fait des vilaines cicatrices ou des choses comme ça à la dame de maison. Quoi qu'il en soit, nous sommes partis à l'extérieur et nous avons rencontré Pap, le jardinier, qui lui fait des choses aussi très sensuelles avec la porte parce que il avait pas l'air de vraiment travailler, si vous voyez ce que je vous dis. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, nous sommes allés dans cette chapelle. Une chapelle, et pas comme les autres, parce que nous avons appris que finalement notre famille est reliée à une sorte de chose très obscure, de magie, de choses et d'autres. Nous ne savons pas encore trop quoi, mais une chose est sûre, c'est qu'à présent, nous avons une bulle qui a l'air d'être bien en lévitation. Ça m'a l'air très louche. Ouais. Et vous voulez vraiment que je touche à ça, hein? Évidemment. Mets ta main dedans. Is this what madness feels like? It can't be real. Je suis en train de rêver. Je suis dans de l'eau. C'est une algue. Je touche des choses. C'est très This looks spécial. like the bottom of a lake. Ouais. Et maintenant, il y a un poisson. Ah bah dis donc, il y a un poiscaille. What are you trying to show me? Ah, c'est notre tente, non? Quelqu'un qui est tombé dans l'eau, ouais. Ça ressemble à une femme. Une silhouette de femme, ouais. Ça a l'air d'être une silhouette de femme. Peut-être notre temps. Étrange. Très étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? She's not holding a baby, but some heavy object to weigh herself down. Une sorte de jarre, on dirait. Non? C'est un fusil, non? Oh, c'est un truc, en fait, il l'a matraqué, non? Je comprends pas trop là. Il manque un truc, mais là il l'aurait tué. Ouais, c'est chelou ça. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Notre père, il aurait assassiné quelqu'un? Je comprends pas trop là. Non, apparemment, non, elle tombe de haut. Lui, il est là. Oula, attention mec. Oh là 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 là. Donc apparemment notre père a voulu certaines façons capturer ou je sais pas trop quoi pour éviter ça. Did you see her? She drowned. Calm down, you're in shock. What were you doing clamoring about in here? If I told you, you'd think me mad. Odd. That is just what your father said to me. Il
Et qui vous êtes exactement? Parce que là, je nage un peu, mademoiselle. Hein? C'est pas que votre compagnie me dérange, mais un petit peu plus de information me serait très intéressante. What? Who are you? My name is Dr. Leah Farber. I treated your father at the asylum. The asylum. Ah, d'accord. Let's get you back to the castle and make sure you are all right. Une docteure pour les gens pas très bien de la tête. Ok. Donc vous étiez le docteur mon père, hein? What's this about an asylum? As I said, your father was admitted. Why? Who did that to him? I did. But unfortunately, he managed to escape. What? Hold on a minute. How dare you come in here and... Told you. Your father was a madman. A complete and utter madman. Don't mind me. Please continue. Et pour quelle raison vous êtes ici, très cher? Comme j'ai dit, c'est pas que j'ai pas des vues sur vous, mais voilà quoi. What did you come here for? I'm not sure your father's story is finished yet, and there are some things I still need to make my peace with. Parlez-moi un peu de lui. Well, what right did you have to lock my father up in a madhouse? I was his doctor. I understand you are in shock, but you have no right to speak to me in such a way. I was trying to help him. He's dead. Capital job. Now, hold on just a minute. Ok, on a une personne qui crie, une personne en détresse. Mais qu'est-ce se passe-t-il? Y a de l'eau qui gicle. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est la bonne. On devait lui parler. On devait lui parler. Oh, on pourra jamais lui parler. Ah, je comprends. Je comprends. Elle voulait nous parler. Voilà. Voilà pourquoi elle est morte. Donc il y a bien quelque chose. Hein. Il y a bien quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent me cacher? Elle était au courant de quelque chose qu'elle ne devait pas dire. Et comme elle avait l'intention de le dire, quick, voilà. C'est une histoire d'argent, je vous le dis. Il y a l'héritage là-dessous. Ils veulent pas me donner l'héritage. Hein. Eddie, it'll be all right. Pull yourself together. I suggest nobody else goes down there. We should keep the room intact until the police can get here. I shall alert them first thing in the morning. What an unfortunate accident. An accident? You think so? Just after the madman's son turned up at our door. And yet you were the one standing over her body with blood on your hands. How dare you? I was too late. I was trying to help her. There, there, my sweet boy. Let's get you to bed. Angus, would you? Of course, ma'am. I think we will all benefit from a good night's sleep. Oh, I know si you may have c'était no reason moi. to, but I need you to trust me. I'm the only one on your side when it comes to your father's death. Lady Margaret certainly isn't. But if I told you what I saw in the chapel, you'd have me in a padded cell, just like my father. C'est des visions, on pourrait dire que c'est des visions, tout simplement. Hein. C'est pas parce que t'as des visions qu'on t'interne, hein. Faut pas déconner. Hein. On t'interne parce que tu crois que tu es une personne qui peut faire des choses très sensuelles. Voilà, on t'interne pour des choses comme ça. Pour quelqu'un qui est fou, qui est pas net. Qui va sortir tout nu dans la rue et qui va marcher, il va croire que c'est normal. Voilà, en interne de des gens comme ça. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu vas dire que tu vois des choses que t'es fou, mec. Tu peux simplement avoir ce qu'on appelle, je sais plus le terme,
À savoir que dans les yeux, on a 5. Je crois que c'est 5. Disons que dans l'œil, on a 5 trucs, genre de 5 cavités. Et la sixième, elle n'est pas activée. Et c'est chez certaines personnes, la sixième cavité, elle est activée, ce qui permet de voir des choses pas très nettes des fois. Comme par exemple, vous avez une cavité qui sert à voir la couleur. Vous avez une autre cavité qui sert à voir les fréquences. Vous avez une autre cavité qui sert à voir des trucs, etc. Et par exemple, chez des animaux, etc., ben, ça permet d'avoir d'autres choses. Simplement. Et punaise, mais alors si j'étais à la place de ce gars, mais moi, mais je dirais, mais attendez, c'est pas compliqué. Cette femme, elle voulait me dire quelque chose, elle m'a dit, je vous dirai ça après. Et comme par enchantement, elle est morte, hein? Non. Cette femme, elle voulait me dire quelque chose qui était important, mais elle n'a pas pu me le dire parce qu'il y avait des choses à cacher. Alors on l'a tuée, tout simplement. Mais moi, j'aurais dit à la place de cet homme, mais tout le monde dégage de ma maison, etc. Etc. Je ne dirai pas ce que je dirai, mais c'est tout. Tout le monde dehors. Et puis point barre. Donc vous m'avez toujours pas dit, très cher, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Why did you come here? To make sure my father was successfully in the ground? With all due respect, Mr. Gordon, I will not allow you to speak to me or about my work in such a tone. I tried everything I could to aid your father. Your father was heavily drugged when he was brought to me, to prevent any further violent outburst, or so Lady Margaret had said. But something felt wrong, even then. Donc il était une personne. Je comprends, hein, c'était une personne, ben comme je l'ai dit, hein, brutale. Hein. Comme le grand-père était brutal, le père devait être aussi, vu qu'on lui a donné des calmants, c'était assez brutal. So, what was my father like when you locked him up? I didn't just lock him up. I tried to help him. He was convinced he was carrying some ancient curse, that he was being haunted by evil. I wish I had reached him, had been able to reach him. Maybe if I threw you a bone, you'd get off my back. Non, c'est bien ça. Hein. Peut-être que la famille était vraiment touchée par une sorte de rituel, je sais pas trop quoi. Father was obsessed with the history of the family for as long as I can remember. Did your father actually believe his family was out to get him? Who knows? I think what scared him was beyond the physical. He used to babble about a dark force threatening him and our family. Was that why he moved you to India? To get as far away as possible? I believe so. And yet, here you are, in the very place he sought to protect you from. Who knows? Maybe there is an ancient evil in this place. An evil that drags us back no matter how far away we get, even from the other side of the world. And what do you think? Was your father right? Are there things beyond the physical? Non, juste non. He was a disturbed man. He saw things that weren't there. Things like a drowning woman floating in thin air. If you really want to help me, then let us find out what the maid knew. She was hiding something, but was too scared of Angus and Margaret to tell me. You think whatever she wanted to confide might be connected to her death? À mon avis, c'est tout à fait ça. Maybe. Non, non, mais c'est sûr. Whatever I saw in the chapel, it has to be real. It has to be. A woman must have drowned herself in the lock. Because if it's all in my mind, like father, like son. Non, non, mais c'est même sûr. Hein. C'est même sûr. La femme, elle est morte parce qu'elle a voulu dire des choses. Hein. C'est tout. We need to examine the maid's body in the cellar. To find out who killed her. To be sure Tout à she was fait. murdered before we start pointing fingers. Non, non, mais c'est un meurtre. Hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est un meurtre. On l'a Angus will have the tué. key. Unless we can find another way in. Oh, le vent de charge. Le vent de charge. Rory's not one for cleaning up after himself. Ah, et la porte était fermée. Comment je pourrais dire ça? Miraculeusement, elle est fermée. Voilà. Étrange, non?
La femme, elle meurt. Mais il faut dissimuler les preuves, n'est-ce pas? Hein, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ferme la porte à clé. I think I might have an idea how to get into the cellar, but I'm not sure you'll like it. If it involves this filthy dumbwaiter, don't even think about it. J'ai nettoyé tout, t'inquiète pas, il n'y a plus d'araignée, il n'y a plus rien. You said you'd help me, so help me. On my terms. Sous certaines conditions. Quelle femme. True, that wouldn't be very ladylike. You might want to consider what I do for a living before trying to taunt me this cheaply. I can't fit in there. I see no other way into the cellar. Hmm. You're asking me to put a lot of trust in you, given the circumstances. Ah bah alors tu vas me faire confiance, tout simplement. You can trust me. And I will do my very best to learn to trust you. Hmm. All right then. Allah. Clothes can be washed. T'as tout compris, femme. Mademoiselle. Très cher. Lovely. Voilà, tu vois. Pull me back up. Ah bon, direct. C'était rapide, très cher. I need something to open the doors from the inside once I'm down there. Ok. Elle a besoin de quelque chose. Quelque chose comme quoi? You need to examine the maid's body in the cellar. To find out who killed her. To be sure she was. Donc il lui faut quelque chose. I still need something to open the doors. I'm not crawling in there for the enjoyment of it. Ok, ok. Faut que je lui trouve quoi exactement, ce qu'elle me dit pas, hein, cette vilaine. Ouais. Peut-être un torchon, un truc comme ça, ouais. Une serviette. Pourquoi pas un foufou, si tant qu'on y est. Ah là là. Alors. What is it? Non, rien, je regarde juste le vent. God! I'll get you back. Stop monkeying around. Come with me. I'll come inside in a bit. Don't go. Can I just have a few minutes? It's not a request, Carol. Don't worry. I'll be fine. Ah, donc c'est elle qui est morte. What's happening to me? David, is everything all right? We should make haste. Désolé, très cher. J'étais perdu dans mes pensées, c'est tout. Je m'imaginais, vous et moi dans la main, main dans la main. Mais c'est vrai. No one in this house is particularly chatty. Not even when I have an actual question for them. Ok. On peut pas aller voir là-dedans, non? Y a pas moyen? Non, ici il n'y a rien. On va essayer quand même de repartir par le bas. Il y a peut-être quelque chose à voir parmi. Ah non, l'arbre, ouais, l'arbre. Une petite trottinée autour de l'arbre. Non, rien. Visiblement, non, il n'y a rien à l'arbre. On va faire un petit tour quand même en bas. Je pense pas, on l'aurait découvert tout à l'heure, hein. Enfin, dans l'épisode dernier. Oh, stunning. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire un petit tour en bateau peut-être? Oui. Ah. Pour un premier petit rendez-vous, hein. How curious. Come and look at this. Qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé quelque chose d'étrange? Qu'est-ce que c'est? Look, they form a clear circle. Un cercle. This can't be a fluke. It looks like one of the stones is missing. A heavy enough stone to weigh yourself down with. Une pierre.
Something's carved into each one. Ah oui, il y a une lettre. Ah, mais c'est toujours les mêmes lettres. Like this before. I have. The gardener, Rory. He brought some down from the glass house. D'accord. Donc il vient avec ce type de rose de la serre, ok. You need to examine the maid's body in the cellar. Ouais, ça on a compris, c'est bon. On a compris, très cher. Ok, repartons au-dessus. Donc la serre. Dans la serre, il y a ces types de roses là. Mais pourquoi il amène ces roses ici? En rapport avec de l'eau. Ouais, c'est étrange tout ça. C'est en rapport avec le fleuve, mais pour quelle raison? Peut-être parce que c'est en rapport avec la dame qui est tombée dans l'eau? C'est louche, hein? C'est louche tout ça, c'est une... Il y a un mille et... Ouais. Il y a un micmac là-dedans. C'est pas net tout ça. En fait, ils ont tellement fait des choses... qui doit avoir une sorte de complice de partout. Ça doit être un fourbi quand on va apprendre la vérité. L'autre il va être accusé pour ci, l'autre elle va être accusé pour ça, l'autre pour machin, l'autre pour chose. Waouh. Bien. Alors très cher, on va aller te chercher ça, t'inquiète pas. Bon, dans la bibliothèque c'est sûr que non. Là, mais il fait noir ici. Vous savez que ça fourbi, y a pas de lumière ou quoi? If you'd just like to wait out here, sir. I need to speak with Eddie. The young master and her ladyship are otherwise detained. Repoussé. Je suis le propriétaire, non? Fair enough. Ah non, je peux vraiment pas y aller. Ok. There's no doubt about his loyalty, nor with whom it lies. Heh, ouais, carrément. Il ne laissera pas passer, hein. C'est clair. Mr. McKinnon, Angus, may I have the key to the cellar? You may not, sir. As Mr. Harrison said, it will remain locked until the police arrive. Ouais, bien sûr. Pour que les preuves soient dissimulées, évidemment. Maybe once I find out what really happened to Father here, I can finally talk to my family and staff about some lighter topics. Je vais tous les virer et tous les passer un sale savon. Tu vas voir, le savon il va rentrer dans tous les orifices possibles. Ah là, c'est clair. Hein. Ouais. Ah non non, mais tu vas voir, ils vont être blanchis, lustrés et tout ce que tu veux. Ah, ça va pas se passer comme ça, mec. That's an unusual looking rose. I noticed one lying by the side of the loch. Aye, that's been me. A flower for the flower of Scahandu, Cecilia. Uh-huh. My aunt? They're for her? I grew them for her. She loved the roses, did Cecilia. No, the red ones, though. Made her think of blood, ye ken. Forgive me, but wouldn't it be more fitting to place them on her grave? Why, she's no there, is she, laddie? That's not where she rests. And I don't much stand by your modern god. Rory, what happened to her? What happened to Cecilia? I'm not in the mood to open old wounds, laddie. There are some strange markings carved into the stones on the shore. Runes, aye. I'm old-fashioned, I suppose. Still hold to the old ways. Superstitions don't gain validity just by being believed in for a long time. I'd watch that. Your precious science doesn't have all the answers, lassie. May I have some of the roses, Rory? I'd like to place them on Cecilia's grave. What's she to you? You didn't ken her. No, I didn't. But she's family. And besides, Father always spoke fondly of her. He would even smile as he talked about playing in the gardens with her as a child.
He did he? Aye, well, that's good to kin. I should have some left in the glass house. I'll speak to you later, Rory. Ça n'est bien pas plus, merci. Aye, I'm sure you will, laddie. Sorry, lassie, but you can't go in. It's for family only. Just hold on a moment. No, it's okay. I quite understand. You go ahead, and I'll wait here for you. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je suis désolé. You must. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas d'accord. Elle est là. La pauvre. I know, it doesn't look like I have green fingers. Alors comme ça, c'est ton petit endroit de culture. Looking to break some more locks, laddie. Sympa, sympa comme petit endroit, dis donc. Ça fait pousser de la beuh à ce que je vois. Eh ben, il y en a pour lui. These are dead as dodos. Hard to raise anything beautiful here ever since Cecilia's gone. Ouais, je te comprends, mec. T'as dû avoir le cœur brisé. Ça devait être quelqu'un à qui tu tenais. Can you tell me about Cecilia? What was she like? She was a lovely lassie, but she had more than her share of troubles. Grandfather Edward. You ken well enough, son. You said she wasn't in her grave. Aye, that I did, that I did. Did she drown? She did. Killed herself. Her body was never found. Now all I have of her is my memories. And they are not what they were. And this. Ah. La pauvre. Are these? Aye, Cecilia's roses. They're beautiful. I like to think so. But they seem to be the only thing that grows here. Ah, il s'occupe que des roses, c'est tout. Hein. Il a pas envie de s'occuper d'autre chose, tout simplement. Hein. That is exquisite. Cecilia made this. She made it, aye. For me. Girl must have cut her fingers 100 times doing it. On the thorns, you can. Oula! Je suis encore retombé dans le truc bizarre. D'accord, il se passe des choses quand même très chelou ici. Oula, les roses ont repoussé. Les roses rouges ont repoussé. Ouvain guette. Voyez, il y a plein de roses rouges qui tombent maintenant. Papy, il y a un délire qui se passe là. Attention, ça risque d'être très sensuel ici. Mais papy, t'as vu ça? You are unworthy of the name Golden. Get away from her, you coward! Je crois qu'elle parle des roses. Waouh. Ah oui, quand même. Je crois que j'ai même pas sauvegardé. Get away from her, you coward! Ok, scène numéro 2. Get lost! You monster! Who is that old woman? It takes courage to confront Edward like that. The saboteurs Edward used. They ended up in this corner. Dans le coin. Il a dû être jeté dans le coin. Oh,
Oh là 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 là. On lui avait dit de pas rentrer. On lui avait dit de pas rentrer. Voilà. C'est de sa faute. Elle s'écoute jamais. On a beau leur dire, elle n'écoute jamais. Quand il ne faut pas rentrer, ou un homme dit qu'il ne faut pas rentrer, c'est parce qu'il fait des choses. Voilà, c'est tout. Alors, il faut pas les déranger. Was Cecilia not able to have children? Did that anger Grandfather Edward? Maybe you can see well enough too, son. Maybe you can. It wasn't her, it was her husband. He was the bother. Couldn't... you can? I think so, yes. Aye, well, Edward blamed Cecilia for it. For picking the wrong man for her mate. What just happened? I could ask you the same thing. You started to talk to yourself. And then you were throwing your arms about like you were fighting something. I couldn't see what. You started bawling and the lassie came in to see what was going on. She tried to settle you, but you just went for her. Je comprends. I saw an old lady. She wore a long flowing dress. Her voice was strong. Determined. Sounds like Rosemary. She was Lady Margaret's mother. You'll be fine, laddie. You just need some fresh air. This place can get to you. Okay, Mick. Du coup, elle est ressortie. Elle est rentrée, mais elle est ressortie. Elle a eu peur. Je peux la comprendre. Donc, apparemment, elle était stérile. Pauvre femme. The crack is right there. Edward was furious. Seems like him and great grandmother Rose didn't see eye to eye. The secateurs should be. Here they are. How could I know? This seems awfully accurate for a forgotten memory. Intéressant. Du coup, c'est tout? On a autre chose à prendre ou il n'y avait que ça? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. On peut ressortir. Ouais, ok. Ah bah, let's go. La conversation du vieux bonhomme, le pauvre. David, are you all right? Ah, désolé. Je ne voulais pas vous étrangler. Je voulais vous donner un très bon, précieux, voilà quoi. Mais finalement, votre coup était tellement attirant que j'ai pas pu résister. Am I all right? I should be asking you. I'm so sorry I hurt you. I don't know what happened. Don't worry. I faced much worse in the asylum. She's tough. I don't think it's possible to face her. Sorry again. Maybe don't leave me outside like a naughty puppy next time. Yes, quite. Là. I feel like the madness that runs through this family, through these walls, is starting to seep into me too. I can help you. But you need to open up. You need to start talking to me. You would not believe me if I told you. Stubborn. Just like your father. I think that Edward may be responsible for the death of my Aunt Cecilia. Not directly. She drowned herself in the lock. I think that Edward drove her to it. Old families usually have a skeleton or two in the cupboard. Yes. But my family has a graveyard full. Tu peux le dire. Whatever secret this family is hiding, it's costing lives. Cecilia, the maid.
my father. God knows how many more over the years. Mmh. Bon, ben, il va falloir peut-être aller voir... On y va très cher ou pas? Ouais? Bien ou bien? Je crois qu'il a bugué. Nous avons bugué. On veut plus... non, ah ben d'accord. C'est son regard. Et c'est mis dans son regard. Maintenant nous sommes coincés à jamais à se regarder dans les blancs des yeux. À se dévorer du regard en disant « Ou toi, ma chère, tu vas connaître bien des choses. » Malheureusement, ça vous le saurez dans le prochain épisode, hier. Yeah.